Bonjour à tous, bonjour euh, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver à ce programme. Merci encore pour le temps que vous prenez pour nous écouter. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui, par la grâce de Dieu, va nous bénir. C'est comment choisir sa compagnie. Comment choisir sa compagnie L'apôtre Paul nous apprend que les mauvaises compagnies sont capables de corrompre les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies peuvent détruire les bonnes mœurs. Alors, il est important pour nous, enfants de Dieu, il est important pour nous, chrétiens, d'exercer de, de la sagesse dans le choix de notre ou de nos compagnies. Je lire ce passage dans le livre des psaumes, chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici encore, ce passage insiste sur l'importance des gens à qui nous nous attachons. Je suis de ceux qui croient que Dieu amène des gens dans la vie de certaines personnes, Dieu occasionne certaines connexions pour la gloire de son nom. Mais pendant que Dieu est à la base de certaines connexions, mais bien aimé, le diable peut être aussi à la base de certaines connexions. Le diable peut envoyer des gens dans la vie pour détruire la destinée de certaines personnes. Il y a de très bonnes euh, connexions dans la Bible. Il y a de très bons euh, exemples de connexions divines, de, divine, de compagnies causées et euh, approuvées par Dieu dans la Bible. Par exemple, David et Jonathan. Par exemple, Élie euh, et Élisée. Par exemple, Paul et Barnabas. Par exemple, Ruth et Naomi. Il y a beaucoup de, de compagnies, beaucoup de connexions qui œuvrent pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais donc parler un peu des caractéristiques d'une bonne compagnie. Comment pouvons-nous choisir une bonne compagnie J'espère que vous serez euh, grandement bénis par cet enseignement. Le livre de Proverbes au chapitre 13, verset 20, nous dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Les bonnes compagnies apportent quelque chose à nos vies, les mauvaises compagnies retirent quelque chose de nos vies. Les bonnes compagnies apportent quelque chose à nos vies et les mauvaises compagnies retirent quelque chose euh, de nos vies. La première chose que je recherche dans une compagnie, c'est quelqu'un qui me pousse à obéir à Dieu. Quelqu'un qui me pousse à obéir à Dieu. Je vais vous lire un passage dans le livre de Proverbes, toujours au chapitre 22, au verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Eh bien, quelqu'un se tient auprès des rois et devient habile dans son ouvrage. Ceux qui te poussent à obéir à Dieu, ceux qui te poussent à aller au-delà de toi-même, ceux qui te poussent à te régner afin de faire la volonté de Dieu, pour toi, sont une bonne compagnie. La première des choses que je, je recherche dans une compagnie, c'est quelqu'un qui me rapproche de Dieu et non quelqu'un qui m'éloigne de Dieu. La deuxième chose qui est importante dans une compagnie, c'est ceux qui sont capables de se reprendre et de se corriger eux-mêmes. Ceux qui sont capables de se reprendre et de se corriger eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont jamais capables de reconnaître leurs erreurs. Qui ne, qui ne sont jamais capables de reconnaître qu'ils se sont trompés. Mais ceux qui sont capables de se corriger... Avant de causer de la peine aux autres, ceux-là sont des gens qui peuvent apporter quelque chose à nos vies. Une personne qui se corrige elle-même, elle est sensible à elle-même. Elle est aussi bien sensible non seulement à elle-même, mais aussi aux autres. Elle est sensible aux besoins de ceux qui sont autour d'elle. Mais une personne qui est incapable de se corriger ne pourra pas apporter grand-chose à ta vie. Bien au contraire, ce genre de compagnie... Cette personne t'emmènera dans l'erreur. Cette personne t'emmènera dans la rébellion. Cette personne te conduira vers l'orgueil. Il est important de s'attacher à des personnes qui non seulement peuvent nous amener à obéir à Dieu, mais en deuxième position, qui elles-mêmes sont capables de s'auto-corriger, de s'examiner elles-mêmes, de se ressaisir et de se reprendre. La troisième chose importante qui me pousse à choisir ma compagnie ou qui influence mon choix dans mes relations est la chose suivante. Je choisis de m'associer aux gens qui libèrent ma foi. Je choisis de m'associer aux gens qui libèrent ma foi, aux gens qui m'aident à exercer ma foi. Il y a dans la vie des gens qui tuent la foi. Il y a dans la vie des gens qui n'ont aucun rêve. Il y a dans la vie des gens qui ne font que tourner en rond, qui tuent la foi. Dès que votre petite foi ose s'exprimer, il y a quelqu'un autour de vous qui va tuer cette foi par une parole négative. Mais vous devez vous accrocher à ceux qui donnent de l'énergie à votre foi, à ceux qui aident votre foi à grandir. Il y a un passage très intéressant dans le livre de Marc. Au chapitre 2. Ici, c'est l'histoire d'un paralytique qui avait été porté par ses quatre amis qui sont venus au Seigneur. La Bible nous enseigne dans ce passage qu'ils sont venus et ils se sont heurtés à la foule. Ils ne pouvaient pas avoir accès au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ces quatre amis ont porté le paralytique sur la toiture de la maison dans laquelle le Seigneur était. Oh, dans la vie, il est important d'avoir des amis qui sont débordants de foi, qui sont des instruments d'encouragement, qui sont des instruments de soutien, qui peuvent relever votre foi, qui peuvent amener votre foi à se réveiller, qui peuvent amener votre foi à surmonter les épreuves. Si vous avez des gens autour de vous qui pensent négativement, qui ont une foi négative, qui, qui découragent, eh bien ceux-là ne sont pas une bonne compagnie. Il est important d'avoir autour de vous des gens qui soulèvent votre foi. Une autre marque importante pour une bonne compagnie, c'est ceux qui marchent dans l'amour. Ceux qui marchent dans l'amour. L'amour est la caractéristique de l'enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, à ceux-ci, les gens, les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pas si vous chantez alléluia amen. Pas si vous, vous transportez la plus grosse bible. Pas si vous priez ou vous jeûnez, mais si vous vous aimez les uns les autres. On ne peut pas s'associer à quelqu'un qui est rempli de haine. Et il faut s'associer à quelqu'un qui marche dans l'amour. Quelqu'un qui marche dans l'amour, quelqu'un qui a dans son cœur l'amour de Dieu et l'amour des autres. Il est très important de choisir avec sagesse nos compagnies. Une autre catégorie importante de personnes dans, dans ta vie, dans nos vies, c'est les personnes qui sont capables de nous défendre, de nous supporter même en notre absence. Ceux qui refusent d'écouter des choses négatives à notre égard. Ceux qui choisissent d'écouter des choses positives à notre égard. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'aiment que capitaliser sur les choses négatives. Vous pouvez faire de bonnes choses. Vous pouvez faire rendre de grands services à des personnes, mais dès qu'il y a une seule petite chose négative, alors toute leur énergie se déploie vers cette chose négative. Et elle ne, ne se souviennent de vous, elle ne parle de vous qu'en termes négatifs. Non, une bonne compagnie, c'est un ami qui est capable de vous défendre et de vous soutenir, même en votre absence. Devant vous, il dit de bonnes choses, mais derrière vous aussi, il dit de bonnes choses. Dans le livre de, de 1 Samuel, au chapitre 20 à partir du verset 30, la Bible dit ceci: Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il dit: Fils pervers et rebelle, ne sais-tu pas que ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe serait vivant sur la terre, il n'aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Écoutez la réponse de Jonathan, le fils de Saül à l'égard de David. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le feront-on mourir Qu'a-t-il fait David était l'ami de Jonathan, et Jonathan était capable de défendre son ami, même en l'absence de son ami, devant son père. Tu as besoin dans la vie des gens qui peuvent te supporter, qui peuvent être loyaux à ton amitié, qui peuvent te défendre. Dire de bonnes choses, aussi bien en ta présence qu'en ton absence. Il est très important de choisir nos compagnies avec sagesse. Il est très important de choisir avec sagesse notre compagnie. Il est très important de sélectionner notre compagnie. Nous ne pouvons nous laisser influencer par n'importe qui. Nous ne pouvons nous attacher à n'importe qui. Les mauvaises compagnies ne feront que retarder la destinée de Dieu dans ta vie, pendant que les bonnes compagnies t'amèneront à progresser à aller vers l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. Et Dieu t'amène de bonnes compagnies. Mais fais attention aux mauvaises compagnies que le diable amène aussi dans ta vie. Une autre chose qui me guide, qui me, qui me permet de choisir ma compagnie, c'est la suivante. Je préfère ceux qui libèrent la gratitude et la gentillesse en moi. Ceux qui libèrent la gratitude et la gentillesse en moi. Ce qui provoque en moi la gentillesse, ce qui provoque en moi la gratitude. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, et avec beaucoup de, de justesse et de droiture, il y a quelqu'un qui disait, dans chaque homme, il y a un idiot et un héros. Si vous vous adressez à l'idiot, c'est l'idiot qui vous répondra. Mais si vous vous adressez à, à, à l'héros, au héros, c'est le héros qui vous répondra. Alors, quelqu'un qui... En moi est capable de, de refaire, de, de faire sortir la, la gentillesse, de faire sortir la gratitude. Alors celui-là ou celle-là est une bonne compagnie. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre au chapitre 25, je vais lire à partir juste le verset 33. Je lis les versets 32 et 33, la Bible dit ceci. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Abigail était une femme sage. David venait contre Nabal, le mari d'Abigail, parce que Nabal avait été euh, plutôt méchant. À l'endroit de David. Et David venait avec un cœur rempli de colère et de revanche. Il voulait s'en prendre à la vie de Nabal. Mais entre David et son dessein euh, néfaste, il y a eu une personne qui a pu susciter en David le caractère plutôt gentil, le caractère de gratitude chez David. Et David est reconnaissant ici à Abigail. Il dit à Abigail Toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Et qui a retenu ma main. Et une compagnie qui t'empêche de répandre le sang. Et une compagnie qui t'empêche de médire. Et une compagnie qui t'empêche de pécher. Et une compagnie qui t'empêche de t'impliquer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et une compagnie qui retient ta main contre le mal. Et une compagnie qui t'aide à grandir et qui ressort de toi l'homme béni, l'homme plein d'amour que Dieu a mis en toi. Je connais par exemple quelqu'un qui a, qui a quitté son église, qui a quitté l'église, et euh, j'ai dû comprendre plus tard que cette personne a été amenée à quitter l'église à cause de l'influence négative d'une certaine compagnie. C'était un frère qui était utilisé dans l'église qui avait des responsabilités dans l'église mais chaque fois que l'église avait besoin de lui il avait avec lui sa femme qui se plaignait toujours qui lui disait ah mais toujours c'est toi qui dois faire les choses de l'église chaque fois c'est de toi que l'église a besoin et les autres où ils sont pourquoi il n'y a que toi et vous voyez cette petite semence petit à petit tous les jours Petit à petit, tous les jours, a commencé à avoir une grande influence dans le cœur de ses frères. Au point où ce frère a été totalement déconnecté. Il a perdu son zèle, il a perdu son enthousiasme. Et au moindre problème, il s'est écarté et il s'est éloigné de l'Église. Il s'est éloigné de l'endroit où Dieu l'avait emmené à cause de la mauvaise influence qu'il avait à côté de lui. Cette personne ne suscitait pas la réaction de, 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 du héros en lui, mais plutôt s'adressait à l'idiot en lui. Et c'est l'idiot qui a répondu aux appels de, sa, de son épouse. On voit la différence. La réaction de Job, quand Madame Job lui disait, maudit ce Dieu et qu'on meurt tous. Job a dit à Madame Job, il lui a dit, écoute ma bien-aimée, Dieu nous bénissait et tout allait bien. Et alors maintenant que nous traversons un moment difficile, tu me demandes de maudire Dieu, eh bien je ne vais pas me soumettre à cette influence négative. Il faut savoir choisir ses compagnies. Il est très très important dans la vie de choisir ses compagnies. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu t'emmène quelque part. Et sur ce chemin, Dieu a préparé des hommes et des femmes afin que leur influence t'amène, te rapproche petit à petit de ta destinée. Mais il faut pouvoir choisir avec sagesse, avec prière. Amène chacun de tes amis devant Dieu. Teste le caractère de tes amis et vois qui est celui-là qui peut te rapprocher de ta destinée ou qui est celui-là qui peut retarder ta destinée. Une autre catégorie importante de personnes dans ta vie, bien-aimée, ce sont les gens qui t'encouragent à donner. Qui t'encouragent à donner. Il y, a, il y a des gens qui t'encouragent à donner pour le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui, qui te découragent. Quand il s'agit de donner pour l'œuvre de Dieu, il va y avoir quelqu'un qui va dire Ah, tu vas donner tout cet argent, tu vas donner tout ce temps à Dieu. Eh bien, une personne qui te décourage, qui t'empêche de donner dans le royaume, n'est sûrement pas une bonne compagnie. Mais au contraire, une bonne compagnie, c'est une compagnie qui t'encourage à donner, qui t'encourage à être un donneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encourage-moi à être un sèmeur si tu veux être mon ami. Encourage-moi à être un donneur si tu veux être mon ami. En m'encourageant à donner, tu m'encourages à recevoir. En m'encourageant à donner, tu m'encourages à voir la main de Dieu. En m'encourageant à donner, tu m'encourages à voir des portes s'ouvrir dans ma vie. Il y a une grande bénédiction à celui qui donne. Il y a une grande bénédiction à celui qui donne. Nous voyons par exemple... Dans le livre de, des Actes des Apôtres, chapitre 10, c'est un passage très intéressant. Tout le récit du livre des Actes des Apôtres, du, du chapitre 1 au verset 9, est, est, est un peu diversifié. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent dans différents endroits. Mais dans le chapitre 10, le docteur Luc concentre tout le chapitre 10 dans la maison d'un certain individu qui n'est même pas un ayant droit. Il est en dehors de l'alliance d'Israël. Il n'est pas un juif. Il s'appelle Corneille. Il est romain. Mais pourquoi Dieu se concentre, se focalise sur la maison de, de Corneille et ouvre les écluses des cieux et bénit Corneille de la bénédiction la plus importante, le baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit Dieu s'est souvenu des aumônes, des offrandes de Corneille. Dieu s'est souvenu des prières et des offrandes de Corneille. Il y a une grande bénédiction à donner. Entoure-toi des gens qui te poussent à donner. Entoure-toi des gens qui te poussent plus à donner. Voyez l'exemple négatif d'Ananias et de Saphira. De Pendant que toute l'Église encourageait, les, 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 les chrétiens s'encourageaient les uns les autres à apporter ce qu'ils avaient, Ananias et Sapphira s'encourageaient à ne pas donner. Et Pierre a dit ceci. À chacun d'entre eux, comment avez-vous laissé le diable vous tromper au point où vous voulez mentir au Saint-Esprit Leur complicité a été négative. Ananias, c'est t'accrocher à quelqu'un qui l'empêchait de donner. Accroche-toi à une compagnie qui t'encourage à donner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que nos compagnies, nos relations sont un outil très important aux mains de Dieu pour l'accomplissement de son plan dans nos vies. Le plan de Dieu dans ta vie nécessite la collaboration ou une connexion avec une certaine personne à un certain moment donné. En fait, la distance qui te sépare de l'étape supérieure dans le plan de Dieu, c'est une connexion, c'est une compagnie. Il y a des décisions que tu peux prendre qui n'auront pas grand effet sur ta destinée finale. Cependant, il y a certaines autres décisions qui pourront te détourner totalement de ta destinée finale. À qui tu te maries Qui, tu, qui te conseille qui est ton mentor Qui t'influence Ces personnes-là sont capables de te dérouter ou d'être une grande bénédiction pour toi. Il y a des gens que j'ai rencontrés personnellement dans ma vie qui ont été des grandes bénédictions. Et je bénis le Seigneur d'avoir conduit mes pas de façon miraculeuse sur le chemin de certaines personnes. Et Dieu a aussi apprêté le cœur de certains frères, de certaines sœurs. Et nous nous sommes rencontrés à un certain moment. Et Dieu s'est manifesté puissamment au travers de nos relations. Puisque nos relations ont servi à glorifier le nom du Seigneur. Mais il y a aussi des connexions que le diable a voulu emmener dans ma vie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'en a débarrassé. Et le Seigneur est fidèle. Il te débarrassera des mauvaises influences. Il te débarrassera des mauvaises compagnies. Mais bien-aimé, je prie. Que tu choisisses ta compagnie avec sagesse. Dieu a beaucoup de choses à faire dans ta vie. Tu es stratégiquement positionné dans le royaume afin d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Peut-être qu'il y a une relation qui a déjà détruit beaucoup de choses dans ta vie. Mais prends courage, fortifie-toi dans le Seigneur. Le Seigneur a encore beaucoup de choses. Si Pierre t'a découragé, Paul ne te découragera pas. Si Jeanne t'a découragé, Aline ne te découragera certainement pas. Sois fortifié dans le Seigneur. Le Seigneur a ses hommes, le Seigneur a ses femmes. Le Seigneur les a positionnés pour toi. Ils viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et tu verras que ta maison sera remplie et Dieu comblera ton cœur de joie. Je veux t'encourager. Accroche-toi, mais choisis avec sagesse, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.